Good morning, allez, Idan, allez, tu seras aujourd'hui le Nishmat, Machlouf Micha ben Masouda Rivka, Bat Levi Yitzhak, Avram Chayin Orbea ben Fortuna Mazal Doven Yudit et Nissan ben Mafret. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la Sakinette Éternelle. Nous étudions Masechet Midot, Perik Bet Mishnah Bet. Kol Nichnasin le Har Abayit Nichnasin Derech Yamin, ou Makifin, Veyotzin Derech Smol, Chutz, Mimi Sheer Odavar, Shehu Makif Lismol. Malecha makif lesmol, shani avel, ashochen babayit hazeh inachmecha, shani menude, ashochen babayit hazeh, iten belibam vikarevucha, divrei Rabbi Meir. Amar lo Rabbi Yossi, asitan keilu avru ala vetadin, ela ashochen babayit hazeh iten belibecha, vetishma le divrei chaverecha vikarevucha. Mishnah très simple, je traduis directement, kola nichnasin lehar abayit. Tout celui qui entrait au Har Abayit, c'est-à-dire qu'il allait au mont du Temple, oui, on a ici la feuille là, du mont du Temple, qui faisait 500 amas sur 500 amas, en entrée il y avait 5 portes, 2 Char Hulda, une qui était le Char Mizrahi, Teddy en haut, ou plutôt Teddy ici, Teddy Minatsafon, et le Char Kobinos. La Mishnah enseigne, tout celui qui veut entrer, eh bien il devra toujours choisir la porte de droite, faire le tour du Beth Amikdash par la droite, ressortir par la porte de gauche. Il peut sortir où il veut, mais en tout cas, le principe, il est d'entrer d'une entrée, et de faire toujours, on part toujours à droite, d'accord? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on définit c'est quoi la droite? Vous vous mettez en face de la chose, et vous prenez votre droite. Comme quand on fait le tour de la Bima, par exemple, à la synagogue, avec le Sefer Torah en main, on se met face à la Bima, puis on prend la route de droite. On faisait la même chose pour faire le tour du Mizbeach, lorsqu'il fallait asperger le sang aussi pour le Khatat, mettre avec le doigt sur les coins du Mizbeach. Toujours, on part sur la droite. D'accord? Kol pniyot shataponé, lo iyu ela derech yamin. Chaque fois que tu dois tourner quelque part, tu choisis la droite. Ça, c'est une généralité. Et appliqué donc au Beth Amikdash, ça signifie qu'en général, la plupart venaient toujours du sud. Parce que le Beth Amikdash, il était tout à l'est. Plutôt tout au nord de Yerushalayim. Donc, on venait tous du sud, et on entrait là-bas au Beth Amikdash, et donc on avait deux portes, il fallait choisir la porte de droite, et on entrait ensuite au Beth Amikdash, par là, ou par où on voulait, lorsqu'on ressortait, on faisait le tour, on sortait par l'autre. Donc il y avait un sens de la circulation, dans ce sens. Ok? À une exception, qui était qui? Donc, je reprends. Kol nichnasin le Har Abayit, tout celui qui va entrer au Har Abayit, au mont du Temple, nichnasin derech yamin, il va entrer de la porte de droite, ou makifin, et il fera le tour, donc, par la droite, veyotzin derech smol, il sortira à gauche. Chutz, mimi, sheer, odavar, sauf celui qui a eu un incident, comme ce qu'on va voir exactement quel type d'incident, shehu, makif, les smol, qui devra lui faire le tour à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, il y a une circulation, et il y a quelqu'un qui va aller à contre-courant. C'est celui qui a un incident. De qui on parle exactement? C'est quoi qui a eu un incident? C'est pas qu'il y a eu une impureté, parce que si l'impur, il rentre pas ici. Cette fois-ci, on parle qu'il a eu un événement triste. Deux possibilités. Soit qu'il est en deuil, ou soit qu'il est, comment dire, excommunié, en idouille. Ce qu'on va expliquer dans quelques secondes. Pour le moment, je commence avec le premier cas. Malecha makif mismol, lismol. Quel est l'intérêt de le faire marcher à contre-courant? C'est que tout le monde va le rencontrer et va s'intéresser, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu marches à contresens. Et du coup, donc, Malecha makif lismol, pourquoi tu fais le tour par la gauche? Et il va répondre quoi? Shani Avel, parce qu'il est Avel, il est en deuil. Alors comme ça, on va tous lui dire, Ashochen babayit hazeh, que celui qui réside dans cette maison à Kadosh Baruch Hu, Yenachemecha, qu'il le console. Et s'il va dire, je suis Shani Menoudé, je suis excommunié. Alors là, on fait une petite pause, on explique très succinctement. Ça se trouve essentiellement dans Moed Katan, ou dans Moed Katan plutôt, les lois dans les détails du nidouille. Il y a dans plusieurs situations, lorsque quelqu'un se comporte mal face à moi, je suis en droit d'aller au Beth Din et de réclamer qu'on lui prononce sur lui un nidouille, parce qu'il a faute envers moi, certaines avérotes, c'est bien défini, eh bien, je suis en droit de réclamer. Des fois, ouais, je vais réclamer qu'on le frappe. Des fois, je vais réclamer toutes sortes de choses. Là, je vais réclamer qu'on le fasse en nidouille. Et
de ce fait, maintenant, il est devenu Ménoudé. Parce qu'il est devenu Ménoudé, il est excommunié, exclu de la Chevra, du groupe, quoi. Eh bien, il ne pourra plus s'associer au Minyan, il ne pourra plus... Toutes sortes de choses qui seraient exclues. Et donc, il doit même se comporter dans la rue, marcher avec une tête d'endeuillé. Même principe, c'est les mêmes à la... C'est déduit plein de la chôte qui sont déduits l'un de l'autre, du nidouille et du deuil. Et voilà. Donc maintenant, lorsqu'il doit partir au Batanigdash pour apporter un quelconque corban, eh bien, lui aussi, on va le faire marcher dans l'autre sens, de manière à ce que ça va lui éveiller. Quoi donc? Alors là, regardez, ça va être intéressant. Ashochen Babait Azor, il va nous dire, Shani Menodé, que je suis excommunié, que mes amis m'ont mis de côté, m'ont mis en quarantaine. Alors, on va lui dire, Ashochen Babait Azé, on va lui souhaiter que celui qui réside dans cette maison, Iten Beli Bam Veikarevucha. Je te souhaite, mon cher, que Bezrat Hashem, que tes amis vont te réintégrer. Divrei Rabbi Meir, tel est l'avis de Rabbi Meir. Amarlo Rabbi Yossi lui a rétorqué, c'est impossible de lui dire une chose pareille. Vous entendez? Ça signifie que lui s'est mal comporté. Ses amis, ça peut être un cas simple. Quelqu'un qui m'a traité de rachat, je pense devant tout le monde, je ne sais pas si c'est la peine que ce soit, devant combien de personnes, je ne sais pas, mais en tout cas, devant tout le monde, il m'a dit une espèce de rachat. Alors que je ne suis pas un rachat, je suis en droit de lui dire que de l'amener fait qu'on prononce un idée jusqu'à qu'il me demande un pardon, il y a des halakhot, comment procéder. D'accord? Donc en fait, je réclame une idée contre lui. Et puis finalement, qu'est-ce que vous faites, lui? Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous le rencontrez dans la rue, on dira, ah, je te souhaite qu'il va te rapprocher. C'est-à-dire quoi? Comme si moi je suis en tort, que je l'éloigne, c'est lui qui est en tort. C'est ce qui rétorque Rabbi Yossi. Amalo Rabbi Yossi, il leur rétorque Rabbi Yossi à Rabbi Meir. Asitan, qu'il ou avoua la betadine. Eh ben dis donc, tu lui dis, ah, je souhaite qu'ils vont bientôt te rapprocher. Tu les as rendus comme Ziki. Tu les considères de la sorte comme si qu'ils ont transgressé une quelconque avéra de l'avoir mis en idouille. Mais c'est lui le fautif d'avoir fait un idouille, c'est lui qui a insulté son ami. Et là, Ashochen Babait Azeiten Belebecha, que celui qui réside dans cette maison, qu'il donne dans ton cœur, qu'il va réussir à radoucir ton cœur, Vetishma Ledivre Chaverecha Vekarevucha, de manière à ce que tu vas enfin accepter ce que tes amis te disent de faire, Vekarevucha, et ils te rapprocheront. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Salam.